ce serait le poivre. Les poivres, d'ailleurs, parce que c'est, on peut rien qu'avec une palette de poivre arriver à amener des touches très très différentes dans la cuisine, et c'est un petit peu la base pour relever les plats. Une pavlova, cette meringue délicieuse, craquante sur le tour, très moelleuse à l'intérieur, beaucoup de chantilly, des fruits rouges, un petit sorbet, du coulis. C'est un dessert à la fois léger et j'adore. Crème caramel. Voilà, la crème caramel, mais dans les gros plats pour 8-10 personnes, ça cuisait pendant 2 heures au bain-marie, très doucement, il y avait de la densité, c'était onctueux, c'était fondant, le caramel avec la petite pointe de sel, c'était vraiment le dessert. Ce serait simplement de dire qu'il n'y en avait pas assez dans l'assiette en fait.